Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un vlog où vous allez passer une journée avec moi. Donc, je vais vous montrer tout ce que je fais dans ma journée. Et bah, c'est parti! Ok, on va peut-être stopper 2 secondes et expliquer ce qui se passe. Il y a quelques jours, je vous avais demandé qu'est-ce que vous aimeriez bien voir sur ma chaîne, quelle vidéo, tout ça. Et vous êtes beaucoup à m'avoir dit que vous voudrez voir des vlogs, des journées avec moi, des trucs comme ça. Donc, je me suis dit, bah allez, on va faire ça. On va faire ça en version flèche. Ou plutôt version Layla. Donc ce sera la petite Neige ici présente qui va vivre ma journée quoi. Enfin, en vrai je veux juste l'emmener partout, je vais faire ce que je fais habituellement, mais sauf que je vais emmener la petite jument et du coup je vais la filmer. Voilà, je vais la filmer comme si c'était moi. Oui, je sais, en ce moment mes idées de vidéos sont de pire en pire, mais quand tu as cliqué sur le petit bouton s'abonner, tu devais savoir dans quoi tu t'engageais. Allez, je me lance un challenge là. Je vais essayer de faire une voix off unique. Donc, on va essayer. Alors là, c'est quand je me réveille le matin. J'ai mis une seconde pour refaire mon lit. Parfait. Non, c'est faux. Mais avec un chéché comme ça. J'ai un peu galéré pour ouvrir la porte. Et donc là, je descends les escaliers. Voilà. J'ai essayé de faire comme si c'était vraiment le chlèche qui descendait. Marche par marche. Ensuite, j'ai ouvert le tiroir. J'ai pris un bol, une cuillère. Et voilà, je suis allée prendre mon petit déjeuner. J'ai enfin réussi à l'ouvrir. Hein. Un peu compliqué avec la tête d'un chlèche. Et vous savez quoi? Je n'ai même pas abîmé ma figurine. Voilà. Je vous rassure, je ne mange pas comme ça le matin. Je ne mets pas ma tête dans la boîte. Ensuite, je suis allée dans la salle de bain, du coup, pour me préparer, pour me brosser les dents et tout. Chose que fait pratiquement tout le monde, je pense. Voilà, donc je me brosse les dents. Très intéressant. Bon, je n'ai pas réussi à faire une voix off unique. Dommage, j'ai recommencé une deuxième voix off. Tant pis, au moins j'ai pas dû couper et recommencer. Donc là, j'ai fait un truc trop ridicule. Mais j'avais trop envie de le faire. J'ai un peu eu du mal à le faire, mais bref, au final, ça a donné ça. C'est mieux que rien. Donc ça, c'est moi quand je me regarde dans le miroir le matin. Je vous assure, je vais pas ça en fait. Hein. C'est plutôt, je me regarde pour coiffer mes cheveux. Ensuite, j'ai donné à manger à mes lapins. Et on a sorti le chien le matin, on l'a promené. Il était très content. Il n'a pas vraiment compris pourquoi en fait j'avais une figurine. Il a essayé de la choper 2-3 fois. Mais voilà. Après, quand on est rentré, j'ai voulu faire des crêpes. Donc j'ai fait des crêpes. Ça a été assez drôle, vous allez voir. Après, j'ai fait comme à mon habitude une bêtise. Voilà, j'ai déjà fait la voix off pour la bêtise. En tout cas, il me semble. Attendez, je vais voir. Oui, j'ai bien fait une voix off où j'ai dit un truc. Donc là, j'ai pris la farine, enfin tout ce qu'il me faut. J'ai versé le lait, voilà, j'ai pris 3 œufs. Voilà. Ouais, là, je vais les casser avec le sabot de Madame Neige. Non. Et regardez, je suis une boulette. En fait, j'ai essayé d'ouvrir l'œuf. Je l'ai tapé contre le bol, en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai trop forcé, j'ai explosé l'œuf. Je sais pas si vous voyez ce que je fais. Bref, vous voyez le résultat après, vous avez vu dans tous les cas. Donc je suis allée me laver les mains. Et là, j'ai lavé les sabots du cheval parce que voilà. Après, avec une fourchette. Là, c'était assez simple de mettre la fourchette entre les pattes entre les membres du cheval pour mélanger le lait et les œufs. Est-ce que vous savez pourquoi mon pseudo c'est Leila Poney? Non, vous le savez pas. C'est tout simplement parce que je suis un poney. Non, pas besoin. Et me voilà faire une grosse bêtise. Alors en fait la bêtise que j'ai fait, c'est que je n'ai pas tamisé la farine. Donc ce qui fait qu'après il y avait des grumeaux. Et je vais vous montrer comment j'ai fait pour les enlever. Voilà, ça c'est la petite technique de Leïla. Si jamais ça vous arrive aussi que vous ne tamisez pas la farine, et ben voilà. Ouais, parce que j'aurais dû la tamiser avant, mais j'y ai pas pensé. J'étais trop concentrée sur ma vidéo et le reste. Désolée, je parfois je parle pas, c'est juste que j'ai rien à dire. Donc, voilà. Là, c'est moi qui essaie de résoudre le problème, quoi, parce que j'ai fait une bêtise, donc j'essaie de remédier à mon erreur. Mais c'est pas comme ça que les choses vont s'arranger, en fait. C'est pas en mélangeant la préparation. Ok, maintenant j'ai pris une fourchette en fait
Et j'ai essayé de prendre tous les petits grumeaux que je voyais et de les. Comment dire? De les écraser en fait contre les parois du bol. Enfin, la paroi, les parois, je sais pas. Bah non, la paroi. On dit ça ou pas? Comme ça. Bref, après j'ai couvert mon truc avec du film alimentaire. Donc ça a été un peu galère à faire. Je croyais que ça allait être une scène très satisfaisante, mais en fait pas du tout. Voilà, donc j'ai mis du film alimentaire sur mon bol. Enfin mon bol, mon saladier. Voilà. C'est mieux. C'est peut-être plus le terme plus correct. Voyez, je me suis vraiment fait chier à utiliser la figurine, hein, donc me demande si ça va vous plaire. Bah, j'espère que oui, enfin je pense que ça va vous plaire, ça va être drôle. Donc après, j'ai mis ma petite préparation au frigo. Pourquoi en fait je vous dis tout ce que j'ai fait? Enfin, c'est pas une recette là. Donc j'ai mis ma préparation au frigo pendant 30 minutes. Et non pas 1 heure comme pour les crêpes de petit trop. Voilà. Ça c'était parce que je voulais faire un truc assez drôle. Bref, donc après je suis allée laver tout ce que j'ai utilisé. Et là en fait j'ai fait du sport parce que je m'ennuyais à attendre 1 demi-heure. Donc c'est un peu compliqué de faire du sport avec un chlèche. Ensuite, j'ai pris mon truc pour faire des crêpes. Voilà, ma machine électrique, je sais pas du tout comment ça s'appelle. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et donc j'ai pris un comment ça s'appelle? Un sopalin. J'ai frotté dans le beurre et après bah voilà. Exactement la même chose que ce qui s'est passé dans la vidéo de Petit Trou. Voilà, qui est sortie la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Je sais toujours pas quand est-ce que je vais la poster aussi. Enfin, c'est mieux qu'avant. Donc après j'ai mis mes petites crêpes. Voilà. Ah, je sais pas trop me servir de celle-ci. Donc je reviens à ce que je disais. Je sais toujours pas quand je sors mes vidéos, mais j'ai une petite idée maintenant. Donc celle-ci, je sais pas s'il va faire sortir un mercredi dans 2 semaines, quoi. Pour moi, c'est dans 2 semaines. Ou dans 3 semaines, je sais pas. Parce que j'hésite avec une autre vidéo, donc je vais voir ça après. D'autres vidéos, j'ai même pas commencé le montage, donc peut-être que celle-ci sortira avant, je sais pas, on verra. De toute façon, ça changera rien à vous. Voilà, j'ai essayé de mettre un petit clin d'œil. Là, j'ai goûté les crêpes. Je suis allée chercher un colis après, et en fait, je me suis pas rendu compte que j'avais filmé avec le truc à l'envers. Après, on est allé chercher du pain, et on a ressorti le chien. Et quand on est rentré de la balade avec le chien, donc oui, il a fait 2 balades, une le matin et une le soir, comme ça, il est content. Je suis rentrée et j'ai ouvert mon colis, enfin mes 2 colis, parce que j'en avais reçu 2. Voilà. J'ai un petit peu galéré pour prendre des ciseaux avec le chiffre, mais j'ai réussi. Voilà. Donc maintenant, vous comprenez pourquoi dans l'autre vidéo, j'ai dû ouvrir le colis avec mon chlèche. Maintenant, vous comprenez. Donc là, j'ai allumé ma petite caméra, j'ai fait la mise au point, ensuite j'ai poussé les colis dans le cadrage. Hop, voilà. Et après, j'ai commencé à faire ma petite vidéo. Le soir, je suis allée manger. On a mangé de la pizza. On mange très souvent pizza, nous. Pizza aux pâtes, voilà. Et après, on a joué à la Wii. Donc, voilà, je me suis amusée à faire sauter, comment ça s'appelle, Mario et Luigi sur la tête du champignon. Moi, j'appelle ça le champignon. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre plein de petits likes, plein de petits commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement Ouais, plaisir. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!